The African consumer has a very specific need. And this need is in terms of taste. Huh? They have specific expectation on taste and they have specific food habits. And our role precisely is to develop a product that adapt to this taste and to these food habits. Of course, the people eat in a very specific way, very specific raw materials. And now our role is to develop now the product adapted to this taste and adapted also to the purchasing power. In West Africa and also in the other rest of African countries, we have factories producing for the consumers a product like cereals, culinary product and chocolate drinks. And of course, these raw material today are mainly imported. Huh? We have more than 60% of imported raw materials. And this is not sustainable. It is more sustainable to have local production of raw material for use in our local factories. You are spreading the wealth locally. The local farmers, the local business partners will be able to benefit from those. Il y a des gens qui sont dans la coopérative qui traitent mieux leurs produits. Et puisque celui qui a les moyens, il va sur le terrain, il paye presque au même prix que celui qui envoie son corps à la coopérative et en retour il n'a rien, il y a beaucoup qui ne veulent plus fournir d'efforts. Et nous, à la coopérative, à l'Union, c'est ce qu'on leur a dit, que si vous êtes avec l'Union, avec les coopératives, puisqu'on est en partenariat avec Cargill et Nestlé pour le projet, alors si vous faites la qualité, vous allez bénéficier. Dans le centre, nous travaillons avec pratiquement beaucoup de variétés de culture africaine. Il y a d'abord les céréales. Parmi ces variétés, au niveau des céréales, nous pouvons par exemple citer le mil, le sorgho, le maïs aussi, et il y a aussi les racines et tubercules, genre manioc, genre igname, genre taro éventuellement. Il y a aussi les légumes africains, donc aubergines, l'aubergine amère et d'autres. Donc nous sommes dans une dynamique de recherche prospective pour voir comment on peut utiliser ces variétés-là pour améliorer la qualité, améliorer la productivité et améliorer aussi en fait alimentaire. Donc voilà un peu le principe. Okay, this is what we call a pilot plan, which is a smaller factory. Same equipment like in any factory but smaller size. So when we have a new ingredient coming, we don't know how we can use it, which kind of product we can make. We take the ingredient, we take here, we test on any of the machines. All the machines you are seeing here are the one we had in our factories. So we see how the product behave, we see the kind of product we have, we test with the marketing colleagues, and if it is approved as good for launch under Nestlé brand, then we may go to the factory. I have to say the very first benefit is the taste. You know, people are used to certain raw material, so we are developing something that fits with the local food habit. This is the very first benefit. The other benefit is that we source locally. It's much better in terms of environment. It's much better for the farmer, because we are buying what they are producing, so it make additional income for them. And then for Nestlé, of course, we are innovation. We are innovating using things that people know. Bon, avec Nestlé, l'avantage que nous avons, nous comptons avoir, c'est qu'à la fin de l'année, il y aura des primes qui seront reversées aux planteurs. Ensuite, peut-être qu'on aura d'autres avantages. Voilà, donc on croit, parce que vous n'êtes pas quand même une petite boîte, alors on croit à ce que vous avez dit. Et donc quand on aura, le planteur recevra effectivement ce que vous avez promis, on leur a promis, en tout cas ils vont vraiment croire à la chose. Notre espoir pour le futur, c'est justement de faire en sorte que ces projets-là que nous sommes en train de porter puissent être menés correctement. Parce que nous savons qu'en fait, c'est une stratégie qui va permettre à l'agriculture africaine véritablement d'aller de l'avant, de connaître un saut au plan qualitatif et au plan quantitatif. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, si l'agriculteur sait qu'en produisant de la qualité, en fait, derrière, il y a un industriel qui est prêt à acheter le produit, ben, il est enclin à produire.